Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Kingdom Hearts avec une nouveauté de taille. Normalement, j'ai installé un patch permettant d'avoir les voix françaises. Oui, évidemment, le jeu était traduit en français à l'époque, c'est quand même assez fou quand on y pense, avec des voix françaises. Et apparemment, donc depuis la PS3, depuis la version PS3, c'est-à-dire donc depuis un bail quoi, de Kingdom Hearts, les voix françaises étaient passées à la trappe, alors qu'on a quand même Donald Renew qui double Sora, ce qui est quand même assez triste. Voilà, là on reconnaît déjà sa voix. Ah, c'est parfait. Un grand merci à tous ceux qui se sont chargés du patch. Et bonjour Kelly dans le chat de Twitch, car on est en direct. Alors, donc là il y a quelqu'un, pour lui parler, peut-être que je... Locon. Si je le lock, on va lui parler en le lockant. Non, et ben on retire le lock. Alors, ok, donc c'est là où je suis arrivé. Bon, il voulait passer à la boutique d'accessoires, c'est fait. Passer à l'autre boutique pour voir. Allez, alors, je suis trop content de retrouver les voix d'origine parce que bon, c'est quand même un petit peu tragique de jouer à Kingdom Hearts sans les voix d'origine. Oh, Riri, Fifi, Loulou. Salut, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je dois dire déjà? Ah oui, tu veux acheter ou vendre? Je vais acheter des trucs. Qu'est-ce que tu vends? Des potions, tout ça. Ok, non, on va rien prendre pour l'instant, de toute façon. Loulou fait du bon travail tant qu'on le surveille. J'ai tout nettoyé aujourd'hui. Je te défie de trouver la moindre trace de poussière. Donc nous revoici ici. Peut-être aller voir par là. C'est fermé, d'accord. Ok, très bien. Donc là tu vas toujours pas me laisser passer, j'imagine, Jean-Michel. Ok. Moi je retente la porte là-bas. Ah bah c'est celui-là en fait, de gars. Il vous faudra des munitions pour acheter des objets. Où que vous alliez, l'argent est roi. Ok, je pouvais lui parler ici. Alors là ça va peut-être marcher maintenant. Voilà. Il fallait déclencher la visite, la rencontre avec Cid. Mais c'est horrible, il s'est fait prendre son cœur. C'est les créatures qui étaient sur l'île. Oh mon dieu, voilà. C'est mieux. J'avais complètement oublié que c'était Donald Renew qui faisait la voix. Ramasse les sous. Donc là, il n'y en a plus, ok. Ils sont chiants quand ils s'aplatissent là. Ça fait de l'XP, mais j'aimerais bien trouver le gros qu'on a vu tout à l'heure. Eh oh! Tiens. Ça représente la cloche de l'église qui est de l'autre côté de la place. Ok. Oh là! On va pas traverser tout traverse quand même. Ah
Allez. Hop. Oh. Pas là non plus. Je vais pas réussir. Ça va prendre du temps. J'ai hâte d'entendre leur VF. Les 99 choses sont perdues durant la destruction de leur monde. Trouvez-les dans différents mondes. Ah, faut que je trouve tous les Dalmatiens. J'ai oublié cette quête. Tiens, c'est rigolo. Donc à chaque fois que tu trouves un Dalmatien, il va se mettre dans l'une des pièces de la maison. C'est pas mal comme quête, j'avoue. Une ruelle. Ah. On trouve Donald et Dingo. Ouais, très grande cette ville principale. C'est le hub du jeu. Hey oh. Ah, il en reste un. Il en reste un autre. Qu'est-ce donc ici? Deuxième quartier. Encore? Ah mais je suis revenu ici, d'accord. Je retente très bien l'autre porte. Non, bah, ils ont l'air de spammer à l'infini, donc... Ok, c'est une porte décorative. Faut que j'arrive en haut. Troisième quartier. Arrêtez deux secondes. Un bien combat en plein milieu là comme ça. Oh la belle clochard. Mais j'ai l'impression. Le câble sort du tuyau. Je peux pas le. Ok. Peut-être avec un petit sort de foudre sinon. C'est fermé à clé. Bah, j'ai une clé géante. Non, marche pas. Un plan du plan de la ville. Ok. Ah, on a monté de niveau. Ça a amélioré ma défense. Fermé. Une flamme est peinte sur la porte. Faut peut-être un sort de feu pour l'ouvrir du coup.
Ah merde, c'est là où je suis entré du coup. Ben, y a pas d'autre porte, pas d'autre endroit où aller hein. Ah, attends, par là. Et d'honneur là. Attends, je confonds. Non, attends. Oulala, oulala. Calmos hein. Ici où je suis arrivé, je pense. Alors, chambre abandonnée, bon, y a rien. Donc, cette montée-là, c'est un autre endroit. Parce que j'avais vu une montée. Oui, non, ça, effectivement. Donc, attends, c'est plus. Ah, bah non, mais de toute façon, il y a littéralement rien ici. Au pire, on sort la potion, hein. C'est quand même terrible d'être déjà perdu au début du jeu, quoi. Je me souvenais que le début était un petit peu relou, comme je vous avais dit, hein, de façon. Pas genre... Ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ils te laissent galérer. Bon, on les a vus passer en haut. Après l'hôtel. Oui. Ils sont passés par là, donc je pense qu'effectivement, ça peut être par là. Des machines. Oh non! Mais où est-il? Léon? C'est ça qui cherche Léon. Moi, c'est eux que je cherche. Quelle est cette folie? Oh là là! Doucement, Dudule. Ah, mais... Il fait mal quand ils font leur attaque sauter, là. Il y a combien, ici? Plus en plus... Allez! Voilà. Ah non! C'est bizarre qu'il y en a toujours un de plus à chaque fois. Donc je me dis peut-être que si on arrive à tous les avoir au bout d'un moment. Voilà. Là. 6, j'imagine. Allez. Viens ici. Oh non, mais c'est pas possible. J'ai juste... En plus, j'ai juste mon arme, là. J'ai même pas de magie. On va aller jusqu'à 800, hein.
Ah bah coûte toujours un de plus. S'il n'y a pas de bonus là franchement. Faut pas déconner. Oh! Non mais en grand nombre comme ça, c'est juste terrible. J'ai peur. Oh là là. Allez. Trop loin. On va faire un game over dès le début du jeu, mon loulou. Pas la grande forme, hein. Mais là, quand il va y avoir 10, je vais pas réussir. Hein. 10, ça va être la fin, franchement. Ah bon, c'était 9, la fin. Et ça donne même pas genre de méga bonus pour avoir réussi à... Non, mais franchement. Quel jeu méchant. Pas très stable, je préfère pas monter dessus. Bah, allons. Bon, je vais tenter l'hôtel, ils en sortent. Pas vu de Léon non plus. Hein. On va faire toutes les portes quand même. Ils sont tous fermés. Il y a un coffre là-haut, mais je vois pas trop comment l'atteindre. Bon, pas comme ça en tout cas. Ça j'ai déjà fait de toute façon. Je me dis la chambre abandonnée. Peut-être y avoir quelqu'un au final. Non. C'est pas très clair leur truc hein. Alors c'est moi qui suis bête. Ils sortaient de l'hôtel. En fait quand je vais dans une pièce ils sortent d'une autre. Mais comment je sais dans la... celles qui sont là actuellement tu vois. J'ai déjà tout exploré. J'ai bouffé toutes mes potions là pour battre des monstres. J'ai même pas eu de bonus. Merci bien. Pas de raison de retourner ici. Ah, attends. Là, c'est libre cette fois-ci. Non, c'est fermé. La ville a été vidée d'ailleurs. Oh, c'est pas vrai. Y a des monstres partout. Oh
objets. Sid. Tu les as toujours pas trouvés? Tiens bon, on fouille encore la ville. Où que tu sois, ils t'attaqueront. Qui es-tu? Et ils continueront à t'attaquer. Aussi longtemps que tu manieras la Keyblade. Léon. Mais pourquoi? Pourquoi a-t-elle choisi un gamin comme toi? Hé hey, qu'est-ce que tu veux dire par là? Me laisse tomber. Maintenant, voyons cette Keyblade. Quoi? Il n'est pas question que je te la donne! Très bien. Tu l'auras voulu. Et minute! J'ai même pas le temps de réagir. Donc oui, c'est Squall, mais il s'est pris un petit pseudo. Ah, ah, ah! C'est quoi ce doublage? Vu la VF. Ah, à mon avis, c'était obligatoire de perdre face à lui. Ah, tu l'as trouvé. Bien joué, Léon. Mais c'est encore pire que ce qu'on avait imaginé. Bien pire. Vous avez reconnu cette main? Bon sang, il n'y a personne ici. C'est drôlement sinistre. Excusez-moi, c'est le roi qui vous envoie? Aerys, carrément. Debout, gros fainéant. Réveille-toi. Ça va? Je crois. Les créatures qui t'ont attaqué, elles sont à la recherche de la Keyblade. Mais en réalité, c'est ton cœur qu'elles veulent. Parce que tu manies la Keyblade. Je suis si content que tu ailles bien, Kairi. Kairi? Mais de qui tu parles? Je suis le grand ninja Yuffie. C'est pas la voix dans FF7 Remake? Je crois que tu y as été un peu fort, Squall. J'ai l'impression que c'est la même doubleuse. Léon. La Keyblade? Ouais. On a dû te la prendre pour éloigner ces créatures parce que c'est grâce à ça qu'elles arrivent à te pister. C'était le seul moyen de protéger ton cœur. Mais ça ne marchera pas longtemps. C'est quand même bizarre. J'arrive pas à croire que tu sois l'élu. Enfin, j'imagine que nécessité fait loi. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Qu'est-ce qui se passe ici? Très bien. Vous savez qu'il existe beaucoup d'autres mondes en dehors de votre château et de cette ville, n'est-ce pas? Mais ils sont censés être secrets. Et ils sont restés secrets, car ils n'avaient jamais été reliés, jusqu'à présent. Quand les Sans-Cœurs sont arrivés, alors tout a changé. Les Sans-Cœurs? Les monstres qui t'ont attaqué, tu te souviens? Ceux qui n'ont pas de cœur. Ce qui les attire, c'est la partie obscure du cœur des gens. Et il y a un côté sombre dans chaque cœur. Dis,
T'as entendu parler d'un certain Ansem ? Ansem ? Oui, il étudiait les sans-cœurs. Il a noté l'ensemble de ses découvertes dans un rapport très détaillé. Ça alors ? Est-ce qu'on peut le voir ? Les pages sont éparpillées un peu partout. Éparpillées ? Plusieurs mondes. Oh ! Le roi est peut-être parti les chercher ? Oui. C'est ce que je pense, moi aussi. Nous devons le retrouver, et vite ! Attends ! Sa mort est une force clé ! C'est exact. La Keyblade. Alors, c'est ça la clé ? Tout à fait. Les sans-cœurs redoutent la Keyblade. C'est pour ça qu'ils s'en prennent à toi, quoi que tu fasses. Hey, mais j'ai rien demandé, moi. La Keyblade désigne son maître, et c'est toi qu'elle a choisi. Un choix discutable. Mais comment c'est arrivé ? Je me souviens, j'étais dans ma chambre et... Une minute ! Qu'est-il arrivé à ma maison ? À mon île ? Riku ? Kairi ? Tu sais quoi ? J'en ai aucune idée. Ah, la VF, ça fait quand même bien plaisir. Bon, on voit que le jeu a quand même un petit âge, hein. On le remarque dans le la façon dont les personnages bougent leur... C'est fermé. Non, mais je peux l'ouvrir, ça, quand même. À quoi sert d'avoir une clé si elle ouvre rien ? À la façon dont les personnages... les animations faciales, hein, tout bêtement. Là, c'est quoi ? Point de sauvegarde. C'est dangereux dehors, ne sors pas seul. Bah qu'est-ce que je fais alors du coup? On dit que la Keyblade peut quasiment tout ouvrir. Utilise-la sur les coffres et les portes. Ah, il fallait que je lui demande. Ok. Là je peux sortir, c'est bon. Tu ne peux pas rester tranquille. La montagne pelée à 7h du matin. Hein. La jungle à midi. Tôt ou tard, les sans-cœurs te trouveront. Tu ferais bien de te préparer. Me préparer ? À te battre pour ta vie. Es-tu prêt ? Je suis prêt. Yuffie, allons rejoindre Iris. Elle doit déjà être là avec les autres visiteurs. Léon ! Ah bah il est carrément rentré. Ne perds pas ton temps avec cela. Trouve leur chef. En route. Ils ont l'air pourtant assez costauds. Oh, attends. Il y a un coffre. Oh là là. Oh, oh, oh. On verra ça plus tard. Ok. Plus d'objets en plus. Bravo. Allez. Franchement, au début du jeu, loup. Où que tu sois, ils t'attaqueront. Wow. Qui es-tu ? Dis donc. Attends, c'est sévère là. Attends, menu. Je vais charger la truc dans le... Tu crois que... Faut que je me fasse tuer. Vas-y, frappe-moi. Ah, c'est les jeux à l'ancienne, ils sont pas sympas. Hein. Ah, j'ai vu un coffre, voilà, ça m'a tué. Allez, passe, passe, passera le renard passé. Mieux fait de recharger avec tout le blabla qu'il y a là.
En fait, je vais revenir à la scène où je suis, quoi. En gros, oui. Je peux même pas charger à partir d'ici. Alors, ce que je peux faire... Voilà, déjà, tu vois... Ce sera toujours plus utile que dans la malle. Allez. Bon, et oublie les coffres de seconde. Et pourquoi il part par là déjà? Pour moi, il n'y a rien par là. Je vais même pas les toucher en fait. Ah, peut-être passer par là en fait. Bah oui, mais ça ressemble à une porte qu'on peut pas ouvrir. Où peut bien être le chef ? D'accord. Bon. Moi en tout cas. Voilà. Donc, je suis plus tout seul. Le vrai jeu commence. Ok. Alors, apparemment, on peut lui taper les mains. Éloignez-vous, les cocos. Les pieds aussi, c'est-à-dire. Il vient de me soigner, Donald, là ? J'ai l'impression. Attention. Aïe aïe. Merci, oui, effectivement, il me soigne. Ça, c'est une barre de vie en plus. Attention. Vous pouvez me soigner. Ah,
c'était Just. C'est bon, il est en train de péter morceau par morceau là. Merde, Donald est KO. Pouvoir s'équiper. Alors, c'est moi que vous cherchez ? Eux aussi sont à la recherche du porteur de la Keyblade. Hé, hey, pourquoi tu viens pas avec nous ? On pourra explorer d'autres mondes avec notre vaisseau. Je me demande si je pourrais trouver Riku et Kairi. C'est vrai, ça ? Je suis pas sûr. Mais il faut que nous soyons pas pour nous aider à retrouver le roi. Ça va, pars avec eux. Surtout si tu veux retrouver tes amis. Ouais, d'accord. Ah, bah si tu fais ça, Tatia, tu viens pas avec nous. Sans bouger, pas de résistance, d'accord? Ouais, il faut qu'il ait l'air drôle, comme nous. Wow. Son vaisseau fonctionne au visage joyeux. Joyeux? Whisty! Ça, c'est un visage joyeux. Ok, pourquoi pas. Je pars avec vous, les amis. Je m'appelle Donald. Et moi, Dingo. Et moi, Sora. Un pour tous et tous pour un. Enfin, ça y est. On a fini l'introduction. C'était un petit peu laborieux, quand même. Ce petit morveux a réussi à vaincre le sans-cœur. Qui l'aurait cru? Tel est le pouvoir de la Keyblade. La force de l'enfant n'entre pas en jeu. Pourquoi ne pas le transformer en sang-cœur? Ça résoudrait le problème rapidement. Et les compagnons du morveux sont les laquais du roi. Ils sont laids, comme des poux sur la tête d'un rat de fond de cale. Tu n'es pas non plus un bruit de bonté. Tais-toi! Ça suffit! La Keyblade l'a désigné. Parviendra-t-il à conquérir les ténèbres? Ou bien sera-t-il englouti par elles? En tout cas, il pourra nous être très utile. Ma méchante préférée de mon Disney préféré. Bon, vous avez remarqué les ombres, hein, on a vu Ursula, on a vu le Capitaine Crochet, on a vu Boogie. Prépare-toi pour le voyage qui t'attend. On ne sait pas combien de monde ont été envahis par les sans-cœurs. Dans les boutiques de la ville, il y a des objets trop cool. C'est de notre part à tous. Dépense-les comme tu voudras. Bonne chance. J'espère que tu retrouveras tes amis. Faites attention à vous. Ne perdez pas espoir. Bon, si vous voulez voir ce que deviennent Aerys et Yuffie, je vous invite à aller voir Final Fantasy VII en let's play complet sur ma chaîne, ainsi que FF7 Remake. Le vaisseau Goumi est derrière ce portail. Vous pouvez aussi rejoindre le vaisseau Goumi grâce au point de sauvegarde. Il suffit de vous placer dessus, d'ouvrir le menu de sauvegarde et de choisir l'option vaisseau. Notez cependant que certains points de sauvegarde ne donnent pas accès au vaisseau Goumi. Le quoi? Notre vaisseau? Faut que tu vois ça. Une minute. Sora, c'est pour toi. Essence du feu. Ah, voilà. Pour lancer des sorts, utilisez la corde magie. Vous pouvez aussi vous servir des raccourcis paramétrables dans le menu tactique. Vous dépensez des PM lorsque vous lancez des sorts, mais vous pouvez les récupérer en utilisant certains objets comme un éther ou en frappant vos ennemis. Maintenant, tu peux lancer des sorts toi aussi. Dingo, donne-lui l'autre truc. Quoi?
Tu sais... Ah ouais. Roulade. Pour utiliser vos compétences, activez-les. Certaines compétences sont automatiques, d'autres s'utilisent avec X. Activez-les dans le menu compétences en fonction de la quantité de PC disponible. Les compétences permettent de faire plein de trucs pratiques. J'espère qu'on en trouvera beaucoup. D'accord, c'est tout ? On y va alors. Pas avant qu'on soit prêt. Eh bien, je vois qu'ils vont vivre une grande aventure. C'est à moi qu'il revient de consigner tout ceci dans mon journal. Alors, minute papillon. Équipement. Le corps de bravoure, effectivement augmenté. Les PV et l'attaque, ce pas de refus. Donald, il n'y a rien de plus, voilà. Compétence, Sora. Donc j'ai 3 PC. 30% de libérer un coup final de combo qui assemble les ennemis proches. Je peux l'activer, il me reste 1 point de compétence. La roulade, très bien. Dingo fusée, puissante attaque ascendante sur la cible, bouclier en avant. On active, hein. Pas de raison de ne pas activer. Tactique. C'est pas mal ça, c'est pour... Ok, donc Y brasier. Pour l'instant, j'ai rien d'autre. Hop, ok, ça c'est bon. On va laisser les paramètres tels qu'ils sont. Le carnet de Jiminy. Sur les personnages. Voilà, Sora, c'est un garçon enjoué et débordant d'énergie qui a été envoyé dans un autre monde la nuit où les Sans-Cœurs ont attaqué son île. Depuis, il se bat contre eux avec la Keyblade et recherche son ami Kairi. Ok, si jamais j'ai un petit trou. Et tiens. C'était pour tester. Maintenant, j'ai plus qu'à récupérer des... Oh, regarde cette marque, Sora. Ça ne t'intrigue pas ? C'est une marque trio, il y en a un peu partout et de différentes couleurs. Au début, seuls les bleus peuvent être déclenchés. Pour ça, il faut que Sora, Donald et Dingo soient près de la marque et qu'ils utilisent la commande trio. Oh ! J'en ai vu plein des marques comme ça en plus. Une carte postale ? Ah oui, il y en avait 10 à collectionner, je crois. Ok, alors attends. Boutique. Bienvenue. Alors, je veux faire des achats. Alors, étoile du matin. Allez. Rien de spécial. Voilà, bah t'es encore plus puissant, mon petit Donald. Ça, je pense pas que je réussisse encore à le faire. J'arrive à péter les chaises, mais pas à éteindre tout. J'avais vu d'autres marques. Essayer de choper quelques trésors quand même, avant de partir pour le premier monde de Disney. Enfin! Descends. Ok. Pas. Non. Je suis sûr d'avoir vu à plein d'endroits des petits trucs comme ça en plus. Ah bah voilà. Ah, c'est un raccourci vers... Ok, vers le premier quartier. D'accord. Bon. Ah bah là. Voilà, par exemple.
Merci. Ce qui nous fait combien au total? 500. Ah, je vais peut-être acheter l'amélioration aussi pour Dingo, tant qu'à faire. Hop. Ah, mais c'était pas la mince. Qu'est-ce que tu vends? Ah, attends, tu vends des trucs. Augmente un peu la défense. Réduit les dégâts de type feu et augmente la défense. Oh, lui. Un peu besoin de me défendre quand même. Alors là, je peux pas activer. Ok. Ça me soigne. Ah, Pauline dans le chat qui dit c'est vraiment le meilleur jeu du monde. Bienvenue à toi, Pauline. J'adore Kingdom. Je suis très content de le refaire et surtout d'avoir réussi à débloquer les voix en français. Alors, c'est par là pour le vaisseau, hein, si j'ai bien compris. Le curseur indique le monde où nous nous trouvons. Déplace-le pour choisir une nouvelle destination. Mais fais bien attention à son niveau combat. Plus un monde a d'étoiles, plus les sans-cœurs y sont forts. Alors, niveau combat. Ah bah on va prendre celui-là du coup, une seule étoile. Nous pouvons voyager d'un monde à l'autre grâce à notre vaisseau. Mais ce descend-cœur essaie de nous barrer la route. Il faut bien manœuvrer pour éviter leurs attaques et les obstacles. Votre voyage sera relaté jusqu'à ce que vous atteigniez votre destination. Accomplissez les missions que chaque monde a à offrir. Contrôle le vaisseau Gumi avec les flèches. Utilise la flèche du haut pour descendre et le stick bas pour monter. La jauge bleue indique l'énergie utilisée pour les lasers et les bras. Fais en sorte de toujours en garder un peu, au cas où. La jauge verte, c'est la résistance du vaisseau. Fais attention, car si elle tombe à zéro, on retourne au point de départ. Ok. Elle se recharge automatiquement ou pas? Oh, là, on est plein dans les années 90. Hein. Franchement, les graphismes, là, même pour l'époque, c'était un peu daté. Alors, faut récupérer ça parce que ça permet d'améliorer le vaisseau en fait. Mince. Ouais, je peux ralentir si je veux. Ça, ça se pète pas, on est d'accord. Ouais. Avec des bêtises là. Je sais pas, je me dis, il se passe un truc si je passe dans les anneaux. Attention quand même là. Oh le monde! Vous reconnaissez? Est-ce que vous reconnaissez? Le pays des merveilles. Alice. Wonderland. Ah, oh, c'est parfait. Ça y est, enfin, le jeu commence. Ah, par mes moustaches, tu es en retard, en retard. Merci la VF. Je suis ici et je devrais être là. Je suis en retard, en retard, en retard. La reine va me faire couper la tête. Pas d'action trio. Ok.
Les objets sont dessinés à plat au sol. Tout est déformé. La petite porte, évidemment. Bah oui. Mais comment est-il devenu si petit? Non, vous êtes tout simplement trop grand. Êtes-vous obligé de crier? Vous m'avez réveillé. Non. Oh, bonjour. Bonne nuit. J'ai encore besoin d'un peu de sommeil. Attends, qu'est-ce qu'on doit faire pour rétrécir? Pourquoi n'essayez-vous pas la bouteille qui se trouve là-bas? Bah allez. Oula. Oh, un sorcier. J'ai bien fait de prendre un collier brasier. On n'arrive pas sur les... pas sur eux les brasiers là. Ah là là. Il y a un objet là-haut. Alors attends. Il y a un objet là-haut. Ah, mais là, je peux pas faire l'action de trio. Ah, franchement, c'est pas génial de se balader chez Alice au Pays des Merveilles. Non, mais c'est fantastique ce jeu. Bon. On se réveille. Ah oui, d'accord. On va faire sonner l'horloge. Ah, attends. Descends-toi. C'est pour repartir, oui. Fallait abattre tout le monde. Oh, insupportable, Jean-Michel. Et ce pot là qui ne sert à rien, qui n'est même pas un pot. Ah si, attends, cette petite horloge peut-être. Pas une horloge. Là, il y a un passage. Ah, attends. Malin. Je déclare la séance ouverte. On me fait un procès? Mais pourquoi? Sa Majesté la Reine de Cœur va présider. Ce
Cette fille est coupable. Ceci est irréfutable. Et la preuve en est que je le dis, voilà tout. C'est tellement injuste. Quelle insolence. Eh bien, as-tu quelque chose à dire pour ta défense? Bien évidemment. Je n'ai absolument rien fait de mal. Vous avez beau être reine, cela ne vous donne en aucun cas le droit d'être si... si méchante. Silence! Tu oses le défier? Eh, vous pensez pas qu'on doit l'aider? Oui, monsieur. On est des étrangers, ne serait-ce pas s'émincer? Si, monsieur. Oh oui, et c'est contraire au règlement. La cour reconnaît l'accusé, ici présente coupable! Coupable d'agression et de tentative de vol de mon cœur. Coupez-lui la tête! Oh non, non! Pitié! Attendez une seconde! Qui êtes-vous? Comment osez-vous interférer avec ma cour? Excusez-moi, mais nous savons qui sont les vrais coupables. Eh oui, c'est les sangs. En tout cas, ce n'est pas elle qu'il faut accuser. Ça n'a aucun sens. Avez-vous une preuve? Apporte-moi la preuve de l'innocence d'Alice. Échoue, et je vous fais tous couper la tête. Recueille autant de preuves que tu voudras. Reviens me voir quand tu seras prêt. Très bien. Oh, pauvre Alice. Qui es-tu? Je m'appelle Sora. Moi c'est Dingo, et lui c'est Donald. Ravi de vous rencontrer. Bien que j'aurais préféré que ce soit dans d'autres circonstances, je regrette que vous ayez été mêlé à tout ceci. Oh, t'inquiète pas. Moi, je suis très heureux, au contraire, de découvrir le pays des merveilles dans Kingdom Hearts. On va s'arrêter là pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Ça y est, là, cette fois-ci, on commence à explorer les mondes de Disney. Ça fait vraiment plaisir. Et on commencera par le pays des merveilles dès le prochain épisode. À suivre, bien sûr, en let's play sur ma chaîne. Comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner. À très bientôt pour la suite.